Je dois arrêter de faire ça. Monsieur le grand Manitou ne veut pas être dire. Le serveur est encore HS. Et à part ça. Le voilà, le 9 Express. Un de ces jours. Règle de ne jamais toucher à quelque chose de plus sophistiqué que moi. Cette roue est bloquée. Et je ne reçois toujours pas de message. Je suis en train d'en envoyer un. Mais vous ne voyez pas ma main. Ah, notre sympathique équipe de maintenance va nous arranger ça. À quoi me servirait un jeu de cartes? À quoi me servirait un jeu de cartes? Ce répartiteur a vraiment l'air gluant. Trop loin. À quoi me servirait un jeu de cartes? Trop loin. Ce n'est pas enflammé. Ah, notre sympathique équipe de rangée. Alarme incendie, ne pas toucher. Ce n'est pas enflammé. Ce n'est pas enflammé. Danger. Alarme incendie, ne pas toucher. Ce n'est pas enflammé. Ce n'est pas enflammé. Ce n'est pas enflammé. Danger. Alarme incendie. Ce répartiteur a vraiment l'air gluant. J'ai déjà vu cette tube rouge quelque part. Thank you.
politique du gouvernement. Je marque ces cartes, chérie. Client numéro 9308, blablabla, morte de la varicelle, date du décès, etc. Ah, point positif, lisez des histoires à des enfants en soins de palliatifs. Parfait, c'est absolument parfait. À nous deux, Mercedes Colomar, vous êtes celle que j'attendais. Glantis, tu es devenu dingue ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une voiture des fonctions. Je le sais. Des fonctions, je viens d'en rajouter plein de monde. Allez, tiens. Buenos días. Vous n'êtes pas l'infirmier? Non. Vous n'allez pas me donner mes médicaments? Non, mais je vais vous soulager de votre mal. Ainsi, ils n'ont pas pu me sauver? Non. Mais vous, par contre, vous pouvez me sauver. C'est une lourde responsabilité, monsieur Calavera. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis irréprochable? Mademoiselle Colomar. Appelez-moi Meche. Meche, votre visage ne ment pas. Et votre dossier le confirme. Vous avez droit à un billet de première classe pour... nulle part. Hein? J'ai fait quelque chose de mal? Si c'est le cas, ce n'est pas dans votre biographie. En tout cas, pas dans les premiers chapitres. Qu'insinuez-vous donc par là, monsieur Calavera? Êtes-vous bien sûr de ne rien me cacher sur votre vie? À vrai dire, je ne vous ai encore rien raconté. Avez-vous tué quelqu'un au cours de votre vie? Non, jamais. Jamais, vous en êtes sûr? Non, je l'avoue, je n'ai jamais tué personne. Et vous n'avez même pas essayé? Je n'ai peut-être pas été assez persévérante. J'abandonne. Ne vous découragez pas, Manny. Autre chose que vous souhaiteriez confesser? Que pourrais-je ajouter? Un vol à l'étalage, peut-être? On m'a accusé de vol une fois. Ah. Mais je n'y étais pour rien. Ce chiot m'avait suivi jusque sur le trottoir. Oh. Cruel envers les animaux? Oh non, je les adore. Une fois, quand j'étais bénévole dans un refuge de la SPA... Ça va, j'ai compris. Vous savez toujours payer vos impôts. Je n'en ai jamais payé de ma vie. Ah. Je n'ai jamais gagné assez pour être imposable. Tout au long de ma vie, je n'ai fait que du bénévolat. Et votre mari, vous l'avez trompé? Monsieur Calavera, vous voyez bien que je ne porte pas d'alliance. Vous ne portez pas votre âge non plus. Je crois que vous êtes obligé de me faire confiance. Alcoolique? Oh, Manny, là vous me décevez vraiment.
Soyez coopérative, Meche. Juste un péché. Si ça peut vous aider, je veux bien faire une grosse bêtise. Non, ça ne compterait pas. J'abandonne. Ne vous découragez pas, Manny. Êtes-vous sûre d'être Mercedes Colomar? Oui. Voulez-vous que je vous montre ma tache de vin? Bien sûr. Où est-elle? Dites-moi d'abord où vous avez rangé ma peau. Excusez-moi, mais je dois consulter votre dossier. Je suis désolée de vous mettre dans un tel embarras. Ce n'est rien, mais je vous en prie, appelez-moi Manny. Je n'y comprends rien de rien. Pourquoi Mitch n'est-elle créditée d'aucune bonne action? Je n'y comprends rien. Pourquoi Mitch n'est... Je planche encore sur votre cas, Mitch, mais je n'ai rien à vous proposer. Je ne suis peut-être pas la femme que vous espériez. Elle m'a l'air parfaite. Je suis vraiment désolée, Manny. La porte de Domino est fermée. Hé, hey, tête à os, dans mon bureau, maintenant! Tu as vandalisé ce qui appartenait à la compagnie pour obtenir des informations confidentielles. Tu as pris une voiture illégalement modifiée. Conduite par un chauffeur non déclaré. Et tu as doublé Domino. Tout ça pour voler un client à son agent légitime. Rien n'est légitime dans cette compagnie. Vous donnez tous les bons clients à Domino. Manny, je suis vraiment gêné pour toi, tu sais. C'est tout le département qui est gêné. Je vais faire venir cette femme et tu lui présenteras toi-même des excuses. Eva, faites entrer Mademoiselle Colomar. Elle est déjà partie, monsieur. Elle a dit que comme elle ne marchait pas vite, elle devait se mettre en route tout de suite. Marcher ? Alors qu'elle avait droit au 9 Express ? Elle est partie à pied, c'est insensé ! C'est la meilleure formule que j'ai trouvée pour elle. Tu comprends pourquoi je donne les bons clients à Domino ?